Salut les amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de FIFA 19. Wang Bowen couvert de louanges. On rappelle que le dragon sacré a encore frappé. Et je vais tout simplement. Alors, j'ai regardé hein, pour Christophe Bellecour. Je vais tout simplement faire un petit peu. Hop, arrête la simulation, merci. Je vais simplement d'abord faire un petit peu d'exercice pour lui. Je sais pas si c'est encore possible. Si c'est possible. Bellecour. Qu'est-ce que je pourrais lui augmenter? Alors le problème c'est que j'aimerais bien, mais il n'y a rien de... Il y a peut-être ça qui pourrait augmenter. Hop, ça peut augmenter. Et je pense que faire des trucs pour Wang Bowen, ça servira pas à grand chose malheureusement. Je vais faire juste pour puissance tir, passe courte, finition, placement offensif, parce que ben il va être offensif pour pour mon équipe. Et on va augmenter un petit peu le Mancini. Agilité, conduite de balle, dribble ou agilité, conduite de balle, dribble, force. On va plutôt privilégier la vitesse avec lui. Hop. On va augmenter un petit peu notre gardien. Par contre, je me suis gouré, hein. Exactement, je me suis foiré. Hop, c'est ceci qui doit être augmenté. Ah merde! Merde! Je me suis gouré! Bon, eh ben au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Très bien. Ok. Ok, donc on doit faire... Merde. On doit faire un truc. Bon, c'est plutôt simple ça. C'est plutôt simple, faut juste... Aïe. Merde. Voilà, excellent. Ah bah ok. Ça au moins c'est fait. Et le reste je vais tout simuler parce que... Hein. Notre gardien a augmenté de niveau, au moins ça c'est cool. Et je vais... Ouais, je vais sortir Bellecour maintenant. Je vais sortir Bellecour maintenant. Je vais juste regarder est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de particulier avec les jeunes. Non, je dois juste recruter 4 joueurs du centre de formation à chaque poste. Gardien, défenseur, milieu, attaquant. Ok. Je dois juste faire ça. Donc, à la limite. À la limite, je peux le sortir maintenant. Après tout. Ça mange pas de pain. Eh ben, bienvenue dans l'équipe. Christophe Bellecour, contrat accepté. En même temps, s'il acceptait pas le contrat, c'était un petit peu con de sa part. Hein, excusez-moi de le dire, mais... Alors, Sikouni Akate, lui, il est encore en train de d'être suspendu. Compétition nationale. Deux suspensions. Ouais, donc il peut jouer quand même là maintenant. Non? Je sais pas, hein, franchement.
J'ai 23 joueurs. C'est très bien. Alors, Belcourt, il est là. Fort faible. Il y a 5 de mauvais pieds. Faudrait qu'il ait un petit peu plus de vitesse. Bon, après, il est jeune, hein, il peut augmenter. Il peut être athée, ça c'est très intéressant. Parce que du coup, il pourrait se mettre à la place de d'un Raspentino ou d'un Ambri, au cas où. Il y a combien de d'endurance? Il y a 62. C'est pas ouf, mais c'est honnête. Et il est doté d'un énorme potentiel. Doté d'un énorme potentiel, ça veut dire qu'il peut aller plus que 81, les gars. Plus que 81, mais moins de 85. Donc bon. Si on a un 83 ou 84 à la fin, c'est quand même plutôt pas mal pour un début. Bon, il commence à me faire chier là de. J'ai refusé une offre à 660 000, c'est pas pour en accepter une à 600 000 quoi. Enfin, je sais pas. Il y a un moment, soyez logique dans vos propos, les gars. Alors, Raspentino. Hop, Belcourt, on va le mettre directement. On va le mettre à la place de Robail. On va bien voir ce que ça donne. Alors, est-ce que. Bon, de toute façon, Niakate, je compte pas vraiment l'utiliser. On va avoir un match. On va avoir un match contre la Berrichonne. On est septième. On est septième avec 4 points. La Berrichonne, elle est combien? Ah oui, on est septième, mais il n'y a qu'une équipe qui a 6 points pour l'instant. Donc, ça va. Ça va. La Berrichonne, elle est 17e. Bon. Plutôt sympa. Plutôt sympa, plutôt sympa. Alors, hop, on joue le match et on va directement mettre Belcourt dans le bain. Gestion d'équipe. Wang Bowen, on va le laisser. Raspentino, on va le laisser. Priva, on va le laisser. Est-ce que Niakate, il a le droit de jouer ou pas? Il a le droit de jouer. Eh ben, on va mettre Niakate ici et Mason. Nakayama, pardon. On va le mettre à la place de Mason. On verra comment ça se joue comme ça. Parce que si ça se trouve, on peut. C'est une bonne tactique, hein. Si ça se trouve. Alors, ici, il peut être MOC. Il peut être MOC également. Donc ils pourront tous les deux les remplacer. Au moins ça c'est bon. Sinon là, on va peut-être prendre un petit peu plus de vitesse sur en attaque. On va mettre Ambry à la place de Priva. Et je pense qu'on est bon pour commencer, hein. On va commencer comme ça. La composition Zidane, Kufo, Alloué, Niakate. Dos Santos, Nakayama, Nestor, Wang Bowen, Belcourt, Raspentino et Ambry. C'est parti. Toute façon, du moment qu'on a le dragon sacré, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, les gars. Je crois en notre bonne étoile. Salut à toutes et à tous, je suis avec Pierre Ménès. Quelle chance j'ai quand même. Oui, c'est vrai que t'as de la chance. Bonjour à tous.
Votre avis, Pierre, sur l'équipe qui va évoluer devant son public aujourd'hui? Oui, Hervé, 4 points sur 6, c'est bien quand on veut jouer la montée, mais je pense que l'entraîneur tape sur une nouvelle victoire plutôt que sur un deuxième match nul. T'as vu, hein, je réfléchis, moi. LOL. Alors. Bon, c'est à domicile, les gars, donc je pense que y a moyen qu'on... La composition la de l'équipe locale qui s'affiche. On a quand même, schéma classique. On a quand même une équipe, bonne équipe, 4-4-2. Je trouve. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Alors après, c'est sûr, sur les côtés, on est un petit peu moins bon, mais franchement, j'ai foi en notre équipe. Bon, on va l'avouer, Pierre, on est en présence d'une équipe qui quand même nous gâte assez rarement en ce qui concerne la qualité du spectacle. C'est vrai qu'elle a tendance à subir le jeu. À ce point-là, c'est plus une coïncidence. C'est un choix tactique délibéré. Ah oui, 5-3-2, carrément. Valenciennes, une équipe qui reste sur un bon résultat, une victoire à l'extérieur face à Sochaux. Une nette victoire, 2-0, sans bavure. Les joueurs sont en confiance, ils devraient s'imposer aujourd'hui encore. Ouais. On va pas crier trop vite victoire. Hein. L'arbitre qui a jeté un coup d'œil sur sa montre. Allez, c'est parti pour ces 45 premières minutes. Il y a moyen qu'on puisse se foirer complètement. Il faut. Oui, il va centrer là. Oui, oui, j'allais centrer, mais. Il n'y a pas beaucoup de problème, c'est hein. Qu'il y avait. Wouah! Abusé. Déjà le premier coup de sifflet. C'est abusé, les gars, c'est abusé. Et ce n'est plus une rumeur, mais une info. What? 72 millions en provenance de la Juventus. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire, c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Bah putain, ouais. Là, je te l'accorde. Allez, le dragon. Pour centrer. Le dragon. Choisis la frappe. Le dragon, putain, non. Putain, je l'ai quand même mis. Mais ça revenait au dragon quand même. Steve Embry, il était là au bon endroit, au bon moment. Par contre, je suis désolé, mais vous reverrez les images. Hein. Vous allez voir les images là. Mais franchement, timing parfait, Hervé, le centre était très bon. Pour moi, le but revenait au dragon. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que le but revenait au dragon sacré Wang Bowen. Franchement. C'est donc l'ouverture du. Pour ce qu'il a fait, franchement. Franchement, c'est Wang Bowen, quoi. Il est super bon. Maxime Barthelmé. Moi, j'aurais donné facilement un 74 de général, au moins. Puis il est super polyvalent, c'est ça qui est bien. Le dragon! Le dragon! Je suis en train de les violer! Le dragon sacré! Il s'est vengé! Il s'est dit: oh! Sans déconner! Mec, Embry, tu m'as pris mon but! Alors je vais en mettre un dans la foulée! Voilà! Et tu vas m'aider à le mettre! Bon, c'est. Cet accent était tout sauf raciste, hein, les gars! J'adore les Chinois, les Japonais et tout ça. Enfin bref. Ils ont à présent une avance confortable. 2-0 en 12e minute de jeu. Est-ce que c'est pas parti pour un viol? Est-ce que c'est pas parti pour un viol collectif, les gars? Parce que là. Bon, par contre, Nakayama, je sais pas si c'est vraiment son poste milieu défensif central. Ah merde. Une frappe lointaine, on sait jamais. On fait tourner en essayant de faire. Wang Bowen. Ouais, cette fois c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trajectoire du ballon est parfaite. Pour une fois qu'il est sur le ballon. Enfin, je dis ça, il je est sur la trajectoire. Hop là, merci. Sauf que je l'ai rendu comme un blaireau.
Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Sauf qu'ils sont beaucoup trop. Les défenseurs sur cette ils sont beaucoup trop en défense. Et ils ont resserré un petit peu le marquage. Hein. Aïe. Ce ballon qui traîne. Monsieur l'arbitre. Non, pas de faute. Non, il va te faire en cul. Très bien. Allez, on repart. Laurent Dos Santos. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Hop. Wang Bowen. Le dragon sacré. Il prend sa chance. Pour le putain. J'y ai cru au doublé. Putain, elle était super bien partie, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Aïe. Non mais, oh. C'est quoi ça? Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le carton qui va sortir. Mais si Kounia Kate, il arrête pas de se prendre des cartons. Ça s'agit autour de Le gars il joue juste pour se prendre des cartons, tu sais. Oh putain. Alors par contre Nestor, il a l'air très bon de la tête, hein, franchement. Depuis tout à l'heure, il prend tout de la tête. Enfin, depuis tout à l'heure, vous, c'est depuis quelques jours, parce que... Poteau de merde. Donc je disais, ouais, Nestor, c'est depuis quelques jours pour vous, parce que, bon, moi, je fais une session en une seule journée. Mais, franchement, bien. Allez. Allez, à nous, ça. Ça, c'est à nous. Laurent Dos Santos. Bon, t'as vu combien ils sont là? Est-ce qu'il va centrer? Par jeu. Le dragon sacré. Allez, 3-0. Doublé du dragon sacré. On voit que le gardien touche le ballon. Parce que. De l'arrêter, mais juste. Il est pas arrivé. Parce que. Oh bordel. Et tu sais quoi, si ça se trouve. Il y a des joueurs qui regardent des. Enfin, des vrais joueurs qui regardent des vidéos sur internet. De FIFA. Eh, hey, si ça se trouve, je suis en train de faire un. Si ça se trouve, je le sais pas encore, mais je suis en train de faire un putain de marketing pour Wang Bowen, tu sais, alors que le mec, il est peut-être inconnu en France et tout ça. Enfin, moi, franchement, clairement, je le connaissais pas avant. Enfin, je le connais même pas, je sais même pas ce qu'il vaut dans la vraie vie. Mais en tout cas, dans FIFA, dans FIFA 18, il était très bon pour un club de Ligue 2, en tout cas pour le débuter, c'est très très bien. Et là, je le découvre en milieu offensif, franchement, en milieu offensif, il donne du rêve, quoi. Il donne du rêve. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Un peu redondant, c'est parti pour la deuxième partie, mais bon, on est des génies. Tous les contours d'un match déjà plié, je vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Ah, il y a toujours moyen d'inverser la tendance, hein. Il y a toujours moyen que je me prenne 3 buts à la con. Florian Raspantino. Allez, Cuffo. Tout seul. Blin. Pas de faute. Non, pas de faute, va te faire foutre. Ok, très bien. Oh, c'est l'interception. Ah. L'équipe qui a attaqué. Qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Oui, la bonne occasion. Attention, ça peut faire but.
Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. Le ballon qui file en tout. Putain de barre. Buffon. Le gars il arrête pas de faire des barres, des poteaux, des barres, des poteaux, des barres. Avec un tir. Ouais, j'ai. C'était. Je savais que ça allait être contré, mais j'ai quand même essayé. Attention à l'éventuelle contre-attaque. C'est bon, j'ai. Ou pas. En profondeur, oui, bien vu. Non, 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 non. Ça va. Peut-être de conviction cette attaque. Avec 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Merde. Pas assez allez, fort. Attention, il se rapproche du but adverse. Allez. Tout seul, tout droit. Oui, attention. Ouais, ils ont réussi. Bon, tout seul, tout droit, il fonctionne pas. Un petit coup de chaud là. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Le tout seul, tout droit n'a pas fonctionné. Bon, belle course pour l'instant, il m'a rien montré, mais. Putain, je suis à bout de course. Non, mais, hey, les gars, je suis à bout de course. Attention. Je peux rien faire. Tu vois, genre un but là-dessus, tu vois. Je pourrais me prendre. Il est sur la trajectoire. Allez, en bris, t'es tout seul. Alors qu'un changement. Non, t'es pas tout seul. A priori, t'as Respentino avec toi. Qui a Hank Bowen. Qui a le dragon sacré avec lui. Dans sa propre surface. Yes. Le but qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Bah, je sais pas s'il y avait pénalty. Pour moi, il y en avait pas pénalty, mais bon. Là, par contre, il y a faute, clairement. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité. Alors, Luke Nestor. Ouais. Ouais, on va le remplacer. On va mettre Thiago Xavier à la place. Il va se reposer. Et hein, d'ailleurs, le joueur ne bronche même pas. Bon, ouais. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. On revoit ce tacle glisser et la faute est nette. Hein. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Ah, on est déjà à la 72e minute. Eh, ça passe vite. Hein. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Un peu. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Par contre, en défense droit, défenseur droit, défenseur gauche, ils sont pas ouf. Hein. Clairement pas ouf. Ouais, là, on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Hein. Allez. Un ballon piqué. Attention à cette bonne passe en profondeur. Le gardien sauvé par son poteau. Ouais, dégagé ce ballon. Attention à la frappe. Un arrêt, enfin. J'y ai cru. Alors, Mauricio Robail, vous allez rentrer. Enfin, un petit frisson là chez les. Wang Bowen aura fait un match de ouf. Sur chaque attaque, pratiquement. Belle cour, bah, il aura trouvé deux fois le poteau, hein, malheureusement. Enfin, poteau ou barre. De toute façon, c'est la même merde. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. La frappe. Ouais. Ah non, manque d'application. Laisse tomber. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. De toute façon, gagner 3-0, moi, ça me va. Hein. J'ai pas besoin de plus. 7 minutes. Hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Allez, Robail. Tout seul. Choisis la frappe. Oh, putain. Non. Ah, ils étaient tout près, hein, tout près de marquer un nouveau but sur cette action. Ça a foiré. Il a complètement foiré son tir. Ah, il est à la récupération au milieu de terrain. Ça fait un petit moment que le score n'a pas évolué. Mais allez. C'est vrai qu'ils ont fait très fort hein, dans un premier temps. Alors ils gèrent tranquillement cette fin de match. Ouais, la frappe. Putain, bien joué. Allez, il faut bien le tirer si possible. Parce que celui-là, il partait au fond. Hein. Le corner, le ballon. Partait au fond, les gars.
Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Bon. On reste offensif et agressif. Allez, le centre maintenant. C'est parti vers le deuxième poteau. Oh, blé, tombé de ce centre. 3-0. Terminé à l'instant, l'arbitre qui vient 3-0 les gars. On a bien géré. Wang Bowen a été très bon aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc, hein. Oh, c'est jamais marrant de se prendre une raclée. Ah bah là, c'était le rouleau compresseur. On a qu'une envie, c'est que ça se termine vite, vite, vite. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a. Là, c'était le rouleau compresseur. Ça part vraiment avec 2 buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui, et il a bien raison. Eh ben 3-0. 2 buts de Wang Bowen. Enfin, normalement 3 buts. Hein, normalement c'est le triplé parce que je suis désolé, celle-là, je l'attribue à Wang Bowen parce que pour moi, enfin, bon bref, Steven Bry il l'a pris à sa place, écoute, là par contre non, tu peux pas mettre un, quoique, est-ce qu'il est, non, bah non, c'est pas le responsable des 3 buts, alors que Wang Bowen est responsable des 3 buts, je suis désolé, Wang Bowen est responsable des 3 buts. Belcourt a eu 7,1. Bon, c'est bien, mais j'aurais préféré qu'il mette un but, tu vois. Bon, en tout cas, on commence à s'améliorer, les gars. Alors, qui est-ce qu'on va augmenter? Je pense Mancini, hein. On va faire ça. Alors, on va continuer de l'augmenter, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Lui aussi, on va l'augmenter. Niveau passe, on va essayer d'augmenter un petit peu ça. Et après, bah, c'est la merde. On va voir, hein. De toute façon. Ouais, ça augmente un peu, on va dire. Ça augmente un peu. Le PSG. Jacques Butland est arrivé. Ok. Inconnu au bataillon. On n'a pas été constant et du coup on ne sait pas à quoi s'attendre lors des prochains matchs. L'équipe doit être plus solide et les compositions d'équipe de Oliveira doivent nous faire plus rêver. Alors, vous avez eu, non, parce que là je veux bien, hein, mais vous avez eu 2 victoires et 1 nul en 3 matchs. Ça aurait pu être 3 défaites en 3 matchs. D'où vous... Enfin bref. Bon, on va éviter de rager, n'est-ce pas? Ambry applaudit. Ouais, bravo, Ambry, t'as réussi à faire un truc, t'as réussi à voler le but de ton pote. Ouais, c'est génial. Offre de transfert pour Mauricio, 1 050 000. Eh. Hey. On va négocier, les gars, on va négocier. Je vais négocier 1 400 000. On va proposer 1 400 000.
Est-ce qu'il va accepter ou pas? S'il accepte, c'est la baisse totale pour lui. 1 050 000 avec clause de revente de 10%. Clause de revente de 10%. Écoute, je vais proposer 1 million, j'avais dit 1 400 000, hein, donc je vais mettre 1 350 000. Voyons voir. 1 350 000, ils sont d'accord. Très bien. Bah écoute, si ça me fait 1 350 000 en plus, vas-y, hein. Go for it. Go for it, go for it. De toute façon, j'ai un joueur qui pourra le remplacer bientôt. Très bientôt. Ouais. Je vais peut-être regarder dans les transferts. Chercher joueur. Non, c'est dans les nouveaux prometteurs. Alors, on va rechercher dans les défenses. Ok. Pedro Rebocho de l'IA Guingamp. Il est plutôt sympa, lui. Je vais ajouter à la liste des transferts. Et demander à ce qu'on le suive. Rico Henry, c'est qui ça? Ok, sous-marée, on va éviter. Je suis en train de regarder un petit peu les gars pour avoir de nouveaux défenseurs gauche et droit parce que clairement ceux qu'on a, je les aime pas beaucoup. Boscagli, pourquoi pas. Doté d'un énorme potentiel, ça pourrait être sympa ça. Mais bon, m'étonnerait qu'il me le vende. Et Corentin Jacob. Y'a que ça? Y'a que ça? Eh ben, c'est pas ouf, hein. Ligne de l'équipe, meneur de jeu. Ok. Voilà, il n'y a que des milieux de terrain ou... Il y a des défenseurs quand même. Putain. Ça sert à rien d'avoir ce genre de joueur-là. Hein. Il est trop vieux. Trop vieux pour moi, ça. En défense, il n'y a aucun... Et ici, il n'y a que des MOC, c'est ça? Ouais, je crois que lui, je lui avais mis recherche MOC et puis c'est tout. Bah du coup, là, ça sert plus à grand chose. Hein. Ça servira plus à grand chose vu que j'ai deux MOC qui sont sortis du centre de formation. Enfin, il y en a un qui est encore dans le centre de formation, mais voilà. Ça devrait bien se passer au niveau milieu offensif. C'est surtout les... défenseur gauche et droit maintenant que qui pourrait poser problème. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce les gars, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour les prochaines fois, on aura un match de Coupe de la Ligue à faire. Puis trois matchs de Ligue 2. Et la fin du Mercato. La fin du Mercato. Donc je pense que ça peut se faire en une semaine ça, hein, clairement.
Donc voilà, moi j'espère que l'épisode vous aura plu. Pensez à laisser un like les potes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager sur les réseaux sociaux. Pensez à activer la petite cloche, j'y pense jamais parce que je le fais jamais moi, mais bon. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous enverra directement une notification, voilà, dès que je sors une vidéo. Donc moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dino Oliveira, ciao.